J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça me tient nickel. Comme d'habitude aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour découvrir un tout nouveau jeu sur Roblox nommé Baz Raiders. Et aujourd'hui les amis, vous allez voir que ce jeu est non seulement complètement incroyable, mais surtout qu'il est fait bien sûr pour moi. Car aujourd'hui, les amis, on va devoir simplement construire des bases ultra sécurisées. Et oui, vous me connaissez, je suis quand même le spécialiste des bases sécurisées dans Minecraft. Et maintenant vous allez voir dans Roblox. Alors le but est très simple les amis, vous avez vu, ça ressemble un petit peu à une map genre Tycoon. On a chacun des bases et tout, sauf que là on va devoir attaquer les bases des autres joueurs, mais aussi également construire sa base. Et oui, regardez, avec là le petit marteau, tu vois, qui permet des titres, vous avez vu, on peut ajouter des pièges, hein, des murs laser, hein, des murs tout court. Enfin c'est vraiment un truc de fou. Et pour obtenir bien sûr de l'argent, il va falloir tout simplement essayer de bousiller d'autres joueurs. Voilà, tout simplement. Alors bon, bien sûr, hein, moi comme vous voyez, regardez, j'ai des petites barrières vertes, des boucliers verts. Ça veut dire qu'en fait je n'ai pas désactivé ma protection et que du coup je ne peux pas aller attaquer les autres joueurs, mais par contre eux non plus ne peuvent pas. Par contre, si j'enlève ça, alors là on va partir en fight direct, c'est moi qui te le dis. Ah, il a activé sa protection. Ah, il ose pas se battre, je comprends. En même temps, voilà, moi je suis le sniper, tu vois ce que je veux dire. Ok, allez viens là, toi c'est la même. Oh là là, oh là là, oh, il sait même pas d'où ça vient. Il me voit pas, parce que je suis caché, il y a juste ma tête qui dépasse. Ah ben voilà, bim, hop, on s'est fait 1000 pièces d'or. Vous avez vu, c'est un truc de fou alors que je viens d'arriver, hein, tu vois. Mais en plus ce qui est cool, hein, c'est que t'as les serveurs pour ceux qui débutent et tout, ça qui est génial. Oh, il y a quelqu'un qui tire de... Oh, je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, je vais te chercher. Oh, oh, il y a une autre. Oh, attends, je vais la voir. Attends, attends, tu vois, je vais venir, je vais venir, je vais venir te chercher. Je vais venir te chercher. Il est quoi, les niveaux 1? Ok, les niveaux 1, c'est parti. J'arrive, j'arrive mon pote. Alors comme ça, tous... Oh, il me voit pas. Tiens, je vais y aller à l'épée. Oh non, l'épée. Ok, on va y aller au flingue. Tiens, tiens, tiens. Oh là là. Oh, je lui fais mal. Oh, je vais le pulvériser. Oui, c'est bon. Oh là là. Eh ouais, c'est moi le patron, mon pote. Eh ouais. Attends, qu'est-ce que tu crois, Olsi? Donc du coup, là, je viens de voir qu'on a 60 000 de cash. C'est un truc de ouf. Alors du coup, attendez, on va se mettre là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est, on dirait des pièces, tu vois. Alors attendez, donc là, je peux... je vais réactiver ma protection. Ah, c'est la nuit. Ok, voilà. J'active ma protection, vous avez vu, maintenant, personne ne peut m'attaquer. Et là, je vais pouvoir commencer à mettre des trucs. Oh, mais il y a tellement de trucs. T'as même des... Des machines, d'accord, des distributeurs de chips et tout, tu vois. Pourquoi pas, t'as même des chiottes, hein, voilà, donc tu peux vraiment faire ta base et vivre dedans, hein, c'est le cas de le dire. Ok, donc là, on a les petits murs. Oh, mais on peut mettre tellement de trucs. Alors attendez, il y a un truc que je veux mettre. Waouh, mais c'est ouf tout ce qu'il y a en fait. C'est genre, est-ce qu'on mettrait pas, c'est quoi ça? Building item, c'est des murs, ok, ouais, c'est peut-être un peu petit. Est-ce qu'on peut pas mettre un truc plus, plus grand, genre ça, si je mets ça, comment je peux le mettre? Eh, je voulais pas mettre ça. Je voulais le mettre plus grand. Attends, je vais le vendre. Ah, c'est cool, on peut vendre. Ça, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a des trucs beaucoup plus grands ou pas? Parce que... Ah, peut-être pas, en fait. Je pense qu'il va falloir mettre les murs un par un. Après, regarde. Oh, il y a même ça, quoi. Ah, ça, c'est pas mal. Et après, est-ce qu'on a des lasers? J'avais vu les lasers tout à l'heure. J'avais dit ça au pif. Et en plus, on en a vraiment. C'est ça qui est assez ouf. Je crois que c'était Trap. Oh. Par contre, je crois que c'est 2000. On va mettre des lasers. Regardez, on met des lasers autour de la base. Oh, mais c'est génial. Mais t'imagines comment c'est complet. Oh là là, le délire. Voilà, donc là, vous pouvez construire votre base tranquillement. Voilà, bon, je vais en mettre quelques-uns. Je mets bien la blinde de laser autour de ma base. Après, j'irai faire quelques petits kills. Et comme ça, on se mettra bien. Ah, là, par contre, c'est un peu juste. Bon, c'est pas grave. À l'arrière, ça sera pas totalement droit, mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est la sécurité de la base. Voilà, comme ça. Ok, tac. On en met une autre là. Oh là là, ça va être stylé. Ça va tellement être stylé, les amis. Oh là 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 là. Allez, je laisserai peut-être une ouverture pour moi. Mais après, je pense que mes lasers, à moi, me font pas mal. Donc, regardez, tac. Non, mais là... Ouah, mais ça va, en fait. J'avais assez d'argent. Alors là, je vais en mettre de l'autre côté. Tac, on va rattraper comme ça. Ça va être bien droit. Ça va être beau. Tu vois, ça va être une base ultra sécurisée, mais BG, tu vois. Ça sera belle. Ok, voilà. Je peux encore en poser quelques-unes. Ah bah là, pour le coup, il va falloir sauter, hein, si tu veux entrer dans ma base. Sinon, c'est mort. Ok. Yes. On est bon, on est centré, les amis. On est bon, là? Ouais, on est bon, c'est bon. Ok. Non, non, ça, c'est... Non, non, j'annule. Attends, est-ce que je peux déplacer un truc ou pas? Est-ce qu'on peut déplacer le truc? Ah oui, on peut. Oh, excellent. Ok, là... Ah, oh, je peux en prendre deux autres, voilà. Génial, bah voilà, c'est bon. Regardez, là, on a une bonne entrée, là. Oh, c'est génial. On peut mettre des pieds à jaloux et tout. Ok, bon, on est reparti. Allez, let's go. Je vais désactiver la... Voilà, la protection, bam. Voilà, sinon je peux pas aller me fight. C'est logique. Et je pense qu'en plus on pourra acheter des autres armes. Ça pourrait être sympa aussi. Mais bon, pour l'instant, vu comment je me débrouille déjà avec celle-là, j'avoue que là, elle a pas trop à se plaindre, hein. Attendez, je vais remonter en haut de la colline. Ok, fais voir un petit peu. Alors là, ça a des murs, très bien. Ah bah, ça fait la même chose que moi, hein. On dirait un ring.
Un ring de boxe. Oh, il me voit pas. S'il me voit, c'est bon. Ah, c'est le même que tout à l'heure qui campait à la colline. Ah, t'as vu, c'est chiant. Oh, je vais l'avoir. Hein. Je vais l'avoir. Je sais mieux viser que tout le monde. Allez, il rentre chez lui. Oh, il rentre chez lui. Tu oses. Attends que j'attaque ta base. Il va réactiver la protection. Ah ouais, hein. Alors comme ça, on active la protection. Je peux pas venir. Je peux pas l'endommager. Je peux pas y tirer dessus non plus. Bah ouais, regardez. Je peux pas endommager. Du coup, ça veut dire que je peux peut-être endommager la base. Oh, ah ouais, je peux péter la base des autres. Oh, mais c'est génial. C'est excellent. Ouais, parce que j'aime bien découvrir quand même avec vous les jeux, les amis. J'aime pas tout me spoil. Oh, il va m'avoir, lui, il a une... Oh non, je l'ai eu alors qu'il a une mitraillette. Ok, je vais péter sa base. Vous avez vu, regardez, ça perd des points de vie. Attends, je vais à l'épée. Oh, je suis en train de lui enlever les points de vie. Oh, ça y est, regardez, je casse la base. Oh non, il m'a poutré. Oh, la cible est partie. Du coup, j'ai gagné 2500 parce qu'il a racheté. Génial. Oh là 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 là. Eh, pas mal. Franchement, on se met bien. Attends, il revient, lui. Attends, je vais essayer de le toucher. Il est trop loin. Ah bah, il a activé sa protection. Oh là là, mais c'est fou de faire ça. Alors, attendez, fais un pour les armes. On a le lance-pierre, le fusil à pompe. Est-ce qu'on a un minigun? Est-ce qu'on a le minigun? Oh, on dirait clairement un minigun laser. Oh, on a lance-roquette. Waouh. Bah ouais, mais vu qu'il y a des niveaux, forcément, on ne peut pas tout prendre pour le moment. Ok, donc là, ça met la protection. Ok, du coup, je peux construire tranquille. Alors, ça serait bien de mettre des murs. Ça pourrait être cool. Genre des murs en briques ou des trucs comme ça. Ah ouais, regardez, ces murs-là, ils sont classe. Oh, yes. Oh, ils sont trop classe. Ah ouais. Ah, ils sont beaux. Franchement, j'approuve. Regardez. Tac. Oh, et en plus, ils coûtent que 10$. En fait, j'ai balancé ce qui me coûtait le plus cher dès le début, quoi. Oh, ça va, c'est pas cher du tout. Ok. Alors là, par contre, bon, pareil, hein, on va pas être totalement droit, mais bon. Eh, on fait avec, la mienne. Alors, attention, les amis, regardez, j'ai bientôt terminé avec ma base. Oh, ça va tellement être classe. Oh là là, elle va être stylée de ouf, les amis, la base. Hein. Elle va vraiment être stylée. Ok, là, après, on pourrait mettre un petit plafond. Tu vois ce que je vais dire, histoire d'être très bien. Par contre, c'est tellement pas évident. Est-ce qu'il y a moyen de... Attends, on va le mettre plus comme ça, ouais. Oh, tellement cool. Comme ça, on pourrait monter à l'étage. Et on pourrait aller se fight. Ça pourrait être sympa. Par contre, il faudrait que je mette des espèces de pièges. Parce que là, le problème, c'est que là, la base, elle est bien. Mais le truc, c'est qu'il peut encore passer par l'entrée principale. Vous avez vu, hein, de toute façon, on peut péter les murs et tout. Donc, du coup, ok, voilà. Mais ça va, c'est tellement pas cher. C'est 10$. C'est 10 de cash. Ok, encore un peu là. Voilà. Oh là là, c'est tellement cool, franchement. J'adore ce jeu. Ah, par contre. Ah, bah, c'est bon, bah, nickel. C'est parfait. Du coup, est-ce qu'on pourrait mettre un truc genre devant? Est-ce qu'on peut mettre des pièges? Nous, on peut marcher dessus, mais tu vois, genre pas eux, quoi. C'est quoi ça? Oh, ouais, il y a des pièges à loup et tout. Il y a même des pièges cactus, quoi. Des pièges toxiques. Oh, un truc de lave! Oh, ça pourrait être génial, ça. On va mettre. Attends, est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez pour les pièges. Ok, du coup, je vais enlever la protection de ma base. Voilà, ça veut dire que je peux attaquer les bases ennemies. Regardez, on va attaquer la base à côté là. Regarde, il voit pas que je tire dessus. Allez, vas-y, j'en profite. Ah si, ça y est, il a vu. En fait, faut le poutrer avant d'attaquer sa base. Sinon, il va m'avoir. Ok. En fait, si je bousille son cœur, je pense, de sa base, j'ai gagné, je pense. Ok, yes. Ok, est-ce qu'il y a moyen de poutrer? On peut passer au-dessus. Voilà, oh là là. On va le faire rush kit. Allez, on casse ça, allez, on y va. Il est au-dessus, vite. Oh, il a une meilleure arme que moi. Faudra économiser pour acheter des armes. Allez. Oh oui. On l'a encore battu. Allez, on pète la base. Allez. C'est bon, y'a plus de laser. Allez, on va rentrer dans le cœur. Oh, c'est un délire, je donne tout. Ah, il me faut une arme, il me faut une meilleure arme. Parce que là, ça suffit pas, là, un lance-roquette, ça aurait été génial. Oh, je vois le cœur. Attends, si je le pète. Je peux le péter ou pas? Est-ce que je peux lui voler, je peux lui voler son argent? Faire un peu. Comment ça se passe? Ah non, c'est parce que c'est pas la cible. Ah, c'est pas la cible. Ah ouais, regardez, la cible, en fait, elle est là-bas. Elle a indiqué, oh, c'est horrible. En fait, c'est comme si t'étais recherché, tu sais. C'est vraiment ça, quoi. Bon, je surveille qu'il attaque pas ma base. Bon, j'ai l'impression qu'il s'est mis en mode immortel, tu vois. Voilà, là, il faut qu'on attaque cette base-là. Attendez, lui, je tire dessus. Voilà, lui, c'est fait. Oh, je suis vraiment le sniper, quoi. Je suis avec un petit flingue et je l'ai bousillé à distance, quoi. Ok, allez, vas-y, je tire sur le cœur. Yes, c'est bon, lui, je l'ai poutré. Ok, oh, il est au-dessus, lui. Ah, viens là. Je vais te repoutrer une deuxième fois, mon pote. Et ouais, tu pourras rien faire. Ah, ouais, allez, je vais la voir. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Ok, super. J'ai fait 5 kills. Est-ce que je peux voler ça ou pas? Voir. Ah ouais, c'est ça, regardez, je suis en train de lui voler son argent. Je vole son argent. Oui, je l'ai volé. Oui, je l'ai volé. Eh ouais, trop tard. Regardez, toi jumper winner. Oh là là, c'est génial. Moi, par contre, j'ai 737, donc ça va. Alors, ok, donc maintenant, on va remettre la protection. Vite, tu peux mettre la protection ou pas? Combat dans 3 secondes. Genre, c'est parce que c'est moi? Non, c'est bon, je mets la protection. Yes.
C'est bon, j'ai la protection activée. Oh, c'est génial. Mais c'est trop cool comme jeu. C'est vraiment trop cool. Ok, alors, on avait dit qu'on voulait acheter des armes. Mais je vais quand même mettre des pics devant, tu vois. Je veux pas qu'ils viennent facilement. Oh, ça coûte 5000. Oh, on va prendre un truc moins cher. On va mettre. Genre ça. Ouais, c'est quoi ça? Ça les ralentit, c'est ça? Ouais, mais tu me diras là, mon truc il est pas du tout protégé en fait. Il est pas du tout protégé. Du coup, on va mettre des énormes murs. Mais des murs, voilà, bien épais, tu vois, comme ça. Le cœur il est bien protégé, les amis. Parce que c'est la partie la plus importante. Voilà, comme ça. Double truc. On va faire pareil au-dessus. Hop! Allez, vas-y, on met. Allez, c'est bien épais comme ça. Là, comme ça. Là, c'est bien protecto, mon gars. Et en plus, ils peuvent pas grimper là, c'est pas possible. Il y a des lasers qui les gênent et tout. Oh, on est trop bien. Ok, traps. Faire attends pour les armes avant. Si je veux prendre une arme, c'est 4000 le lance-pierre. Oh, le fusil à pompe. Oh, il me faut le fusil à pompe. Je voudrais trop ça là. Ça serait pas mal. Et ils ont. Oh, bah attends, on a le paintball, c'est gratuit. Mais c'est trop cool. C'est pour ça qu'ils ont tous le paintball. Bah écoute, on a le paintball. Bah écoutez, on va mettre des pièges. On va mettre des pièges. On va mettre des pièges à loup. Allez, oh, peut-être des. Non, les. Ouais, les pièges à loup, c'est pas mal. Regarde. Eh, pas mal du tout, ça. Et juste derrière, on met des pics. Allez, comme ça. Non, mais est-ce que je. Ah, je suis passé. Est-ce que je peux le mettre? Ah, non, j'ai pas assez. Ah. Eh ben, je repars au fight. Ah oui, il faut que je désactive, sinon je ne peux pas péter les bases. Ok, c'est mon voisin qu'il faut que j'attaque. C'est celui qui est AFK. Bah, écoutez, on y va. Ah, oh, ouais, je peux tirer. Ah, ouais, l'arme de paintball, là. Pas mal. Pas mal du tout. Ah, il a rebouché, en fait, son trou. Ah non, je t'ai passé au-dessus, c'est vrai. Il avait pas mis de laser. Là, par contre, il a reconstruit. Ah ouais, il a reconstruit. Je crois qu'il bouge pas. Ouais, il bouge pas. Ok, alors je vais y aller à l'épée. À l'épée, c'est plus puissant, les armes de mêlée contre les murs. C'est comme des pioches, quoi. Regardez. Oh, tous les dégâts qu'on fait, quoi. Excellent. Allez, on pète ce mur. Allez. Ouais, c'est bon, on passe. Et on lui prend. C'est 1200. C'est bon, je suis passé. Allez, je récupère. Voilà, allez, 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 allez. On récupère, on récupère. Boum! Hop! Merci, c'est dans la poche! Voilà, et je retourne du coup à ma base. Oh là là, ils vont tellement me détester! Ils vont faire une alliance contre moi, tu sais. Je vais réactiver le bouclier et je vais build. Voilà, et là, regardez. Attendez, oh, j'ai une meilleure idée. Non! Je l'ai posé. Je l'ai posé. J'avais une meilleure idée, mais vous allez voir. Je pense que vous avez bien aimé. Regardez, je le laisse là comme ça. Voilà, et là, je vais replacer des murs. Mais genre bien comme il faut, tu vois. Il y a genre des. Ah, je peux pas les mettre genre plus grands. Il n'y a pas des murs plus grands? Ah, si, vous regardez ça. Ça, ça commence à être pas mal. Il me faut encore un truc plus grand. Beaucoup plus grand. Toujours. Toujours plus grand. Ça, c'était comment? Ah oui, non, ça, c'était petit. Ok. Mais il y a tellement de trucs. Ok, ça, c'est basique. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ces murs-là. Regardez. Wow, mais il y a tous les styles. Hein. Il y a en sable et tout. C'est génial. Et bah, vous savez quoi? On va en mettre un bleu. Pourquoi pas? Et on va le mettre, regardez, comme ça. Comme ça, ils sont obligés de passer dans le pic. C'est des murs en vert. Comme ça, je les vois venir, tu sais. Je les verrai venir. Voilà. Et allez, si je me mets là, tu vois, genre. Si je me mets ici. Je le vois. Ah non, ça je voulais pas le prendre. Hop. Voilà, si je le vois venir, je me mettrai là. Et là, ça serait cool de s'acheter des escaliers. On va se faire des petits escaliers, genre comme ça. Qui montent jusqu'en haut. Ok. Alors, est-ce que. Ah oui, il faut que je mette des blocs et tout. Ah, ça va être chaud. Y'a pas moyen d'acheter des escaliers directement. Attends, on va voir. Ah si, c'est bon, j'ai vu. Attendez, ça je mens. Tac, regardez. On a des escaliers là. Yay. Ça c'est cool. Ah, par contre, ouais. Ah ouais, c'est 850$. Oh, oh bah ouais, mais c'est l'arnaque. Attends, je veux vendre ça. Je veux vendre. Ça vaut pas le coup. Je vais mettre mes trucs comme j'avais prévu de le faire. Ah ouais, ça sera très bien comme ça. Parce que là, il y a des petits blocs comme ça. On va acheter un bloc là, regardez. Tac. Comme ça ici, c'est pas mal. On va acheter un autre ici, regardez. Hop. Je vais être bien. Je vais vraiment être très bien. Voilà, et là regardez, petit escalier au propre. Ah, je fais un petit mur histoire que ce soit quand même un peu beau quand même. Parce que bon, bah après, le but c'est pas que ce soit magnifique non plus, hein. Tac. Et là, on va se prendre. Regardez, hop, on va aller ici, les amis. Dans basique. Et on va prendre ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, tac. Eh, pas mal tout ça. Regardez ça. Et ben voilà. C'est génial. Voilà, comme ça, nous, on peut leur tirer dessus alors qu'on a la base. Excellent, quoi. Excellent, on peut faire une base de plus de 7500 blocs, quoi. C'est n'importe quoi. Ok, et là, du coup, on est parti. Ok, il faut attendre. Ah oui, il faut attendre le. D'accord, le démarrage du choix de la base. Ah, l'entourant jaune, la base qu'il faut attaquer. Mais non. Ah, bah écoute, on est parti. Ah ouais, c'est ça. Alors, attendez, je vais poutrer l'autre là-bas, là. Comme ça, il va pas me voler ma récompense. On se poutre entre nous, tu sais. Ok, il campe derrière le mur. Il passe au-dessus du mur. Le problème c'est qu'il a pas reconstruit.
Attention laser. Il est où, il est où? Il est entré là. Oh, oh, je l'ai poutré. Oh non, il s'est fait avoir avec les lasers. Ok, mais il a reconstruit en fait. Lui, il a reconstruit sa base, il bouge pas, mais il a reconstruit la base. Allez, allez, je rentre dedans. Ouais. Oh, je suis mort par quoi là? What? J'ai pas vu. Je suis mort par les lasers, je crois. Oh, il y a une autre personne. Attendez, attendez, faut que je monte sur mon toit là pour le poutrer. Regardez, hop. Allez, viens là. Alors, comme ça, on essaye d'attaquer ma base, hein. Oh, je lui fais mal. Oh là, je vais le poutrer. Oh oui, je l'ai eu, oui. Avant qu'il rentre dans la grotte. Eh ouais, mon gars. Tu ne peux rien faire, j'ai hâte que vous m'attaquiez, on va rigoler, tiens. Alors toi, c'est pareil. Allez, viens là. Oh, je les poutre tous, hein. Oh, je les poutre tous. Tu m'étonnes que j'ai beaucoup de sous, là, d'un coup. Ok, ils attaquent pas ma base. Par contre, j'ai pas compris pourquoi je suis mort. Peut-être les lasers. Il a peut-être mis des trucs dedans, hein. J'ai pas vu. Pourtant, c'est pas lui qui me poutre, parce que lui, il a FK au-dessus, hein. Ok, allez, 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 allez. Ah, c'est bon. Et là, je récupère l'argent. Ouais, 1200, vite. Oh. Viens là. Oh. Non, non, tu pourras pas. Oh, je l'ai eu. Oh my god. Oh, je gère tellement. Oh là là, et oui. Yes. Et ouais, c'est à moi. Bang, j'ai récupéré les 2000. Oh, oh là là, mais je fais tout. Je fais tout. Oh, c'est excellent. Regarde, tiens. Ah ouais, ça va se battre, hein. Ah ouais, je peux enchaîner avec les deux armes. Y aller, sans recharger quasiment. Ah mais non, elle, elle arrive trop tard, hein. T'arrives trop tard, l'ami. Alors attendez, on va se mettre en mode build. Hop, voilà, on active ça. Tac, on va voir un petit peu ce qu'on a de plus. On a des boosts, oh, c'est des trucs d'énergie, des trucs de heal. Très bien. Là, on a des décorations, ok. Ensuite, on a encore une fois de plus des décorations d'intérieur. Bon, ça, c'est quand vraiment t'as terminé ta base. Oh, là, y'a trop de trucs. Oh, y'a des tourelles automatiques. Mais non. Sans déconner. J'en veux une. Ah ouais, j'en veux une. Ah ouais, mais elle tire que dans une certaine zone. Ah. D'accord, et si je la mets au-dessus, genre attends, si je la mets là, mais laisse tomber. Et bah vous savez quoi? On va prendre ça. Hop, voilà. Comme ça, tac. J'ai pu poser ma... Je peux poser ma tourelle maintenant. Je fais ça pour vous les amis, comme ça on peut voir la tourelle. Mais je pense que à mon avis, y'a personne qui viendra en fait, hein. Regarde. Oh, elle est stylée. Donc ça veut dire qu'à mon avis, quand on s'approche dans la zone, et bah là, pour le coup, là, la personne, elle est foutue, hein. Oh, mais j'aimerais trop que ça soit moi qui soit choisi, là. Est-ce que ça peut être moi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, venez. You counter speed. Ah ouais, je suis en protection. Ah ouais, non, c'est la base là-bas. Allez, vas-y, on est parti. Oh, j'ai tellement envie de voir des gens attaquer ma base. Oh, ça serait tellement cool. Ouais, parce qu'après, bon, voilà, ça reste des murs. Et en vrai, elle est pas mal, ma base, hein. Franchement, on vient d'arriver là depuis peu de temps. Allez, on est reparti. Je l'attaque encore. Voilà, toi c'est pareil. Hop. Voilà. Je vais recharger les deux armes. Comme ça, en fait, je vous conseille de charger vos deux armes. Et après, vous pouvez switcher. Vous pouvez switcher entre vos armes. Allez, viens là. Faut que je passe les lasers doucement. Doucement les lasers. Oh, il a oublié de mettre des lasers ici. Il aurait bien dû y penser. Il a pas une protection. Il a pas une protection à son cœur. Tac. Mais moi, ma base, elle est imprenable. Hein. Salut, ça roule. Allez, salut. À bientôt. Merci. Allez hop, encore plus 2070, plus 1000 apparemment, parce qu'on a un bonus. Oh, mais c'est génial. Oh, je veux me faire attaquer, venez. Je vous attends les amis. Ah bah il suffisait de le dire et regardez, c'est bon les amis, je suis la base en question. Et bah vous savez quoi, je vais ajouter une porte. Regardez, on est un peu massif cette porte, mais voilà, comme ça. Comment ça marche? Ah, il faut qu'il pète la porte. Moi je peux le prendre, mais ils peuvent pas. Oh, c'est génial. Ouais, ils peuvent pas passer au-dessus, vous inquiétez pas. Enfin, dans le doute, je vais quand même mettre un mur. Ils vont venir ou pas? J'ai envie de les voir venir. Ils vont pas venir. Mais non. Ils veulent... Je crois qu'ils veulent pas venir. Attends, je vais mettre ça au-dessus, je peux? Est-ce qu'il y a moyen de mettre ça au-dessus ou pas? Tout ce que je veux, c'est mettre ce truc. Ah oui, regardez. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'ils sortiront pas. Comme ça, je suis sûr. Hop, voilà. Il n'y a pas de problème. Regarde, regarde ça. Hé hey. C'est pas bien protégé tout ça? Non mais regardez, même les lasers, bah ouais, ils peuvent pas là, là c'est mort, hein. Enfin je les verrai venir quoi, avec mon escalier. Alors est-ce qu'ils vont venir ou pas? Oh, mais non, ils viennent. Regardez, je dois défendre pendant 1 minute 15, ça veut dire qu'à mon avis je vais recevoir masse bonus s'ils m'attaquent pas du tout, hein. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils veulent pas venir? Ils veulent pas venir? Ah si, ça y en a un, on a un client. On a un client les amis, regardez, il arrive. Alors il va tenter, je suppose, de péter le mur avec les lasers. Il va passer là-dedans. Oh, oh, ça fait mal ça. Oh là là, il a marché dans le piège à loup. Il a perdu beaucoup de points de vie. Il va passer dans le pic. Il va essayer de passer dans le pic. Regardez,
Il arrive pas. Il arrive pas à passer. Il arrive pas à passer. Il est coincé avec les pièges à loups. Il va mourir avec les pièges. Oh, il est mort. Oh là là. Oh là là, j'adore trop ma base. J'aime trop ma base. En plus, il y a qu'un truc que j'ai pris avec du Robux, c'est la tourelle. Et elle n'a servi à rien pour l'instant. Vous imaginez, tout le reste, je l'ai eu avec l'argent. Ok, là, ça continue de me tirer dessus. Ouais, vas-y, vas-y, hein. Tire sur la maison, t'as raison. Au pire des cas, il va faire un trou dans le mur, hein, mais... En vrai, je peux lui tirer dessus d'ici, hein, regardez. Ah ouais, comme ça. Ah, ça fait mal, hein. Tu t'attendais pas à ce que j'ai une tour ici, moi. Hop, allez, hop, c'est réglé. Vas-y, passe pour voir. Hop là, et lui aussi, il est mort. Par le piège à loup, une fois de plus. Terrible. En vrai, je mets double couche de mur derrière et je suis bien, hein. Et voilà, il reste plus que 2 secondes et bam. C'est la victoire, c'est la première fois que je défends ma base. Et c'est une victoire, les amis. Oh là là. Oh, ils doivent rager, hein, là, ça doit... Oh, ça doit rager de fou. Bah voilà, en vrai, je peux mettre, regardez, ma protection. Et je remets, bah, des murs, en fait. Regarde, si je mets masse mur comme ça. Oh là là, ouais, mais ils passeront jamais, hein. Là, là, c'est foutu. Parce que là, même s'ils arrivent à passer le truc, ils arrivent à péter un mur, il y en a un autre derrière. Sachant que pour péter les murs, c'est plus efficace à la mêlée, tu sais, genre, avec ton épée et tout, comme vous avez vu tout à l'heure. Mais vu que... Bah ils peuvent pas approcher parce qu'il y a des lasers devant. Eh, pas mal. Je suis fier de moi parce que d'habitude il me faut au moins plusieurs coups avant de réussir une base du premier coup. Mais là non, c'est, ça s'est bien passé. Regardez. Et voilà. Allez hop, on comble tout sans problème. Ah ouais, bah là on est plus que bien. Là franchement, oh, elle est trop bien notre base. Je surkiffe. Alors là j'adore ma base. Ça c'est quoi ça? Ah c'est des grilles. Ah des prisons et tout. Waouh. Ah ouais, il y a masse truc. Et genre en haut, on pourrait mettre ça. Vous savez, là, les espèces de pics là. Regarde ça. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est trop petit. On va mettre. Oh, j'ai un truc. Voilà. Ça, c'est bien ça. Regarde. Par contre, ça coûte 200. Wouah. Voilà, là, je peux en mettre la blinde comme ça. Regardez, hop. Comme ça, même s'ils arrivent à passer au-dessus, ce qui est impossible, hein. Très clairement. Bah, ils sont foutus. Ils sont foutus parce qu'ils pourront pas passer. Wouah, ça coûte chien. Bon, je le mets que devant parce que de toute façon, ils passeront pas de... ils vont pas passer derrière, ils arriveront pas. Regardez. Oh, notre base, quoi. Wouah. Elle est tellement cool. Oh my god. Oh my god. Là, du coup, faut attaquer une autre base. Bah, écoutez, c'est la base à côté, hein, donc... J'aimerais bien acheter une autre arme. Ah oui, faut que je désactive ma base. Ah bah, ça va se désactiver tout seul quand je sors. Ça, c'est cool. Enfin, la protection. Ok, parce que j'allais dire, sinon, c'est abusé, quoi. Ok, viens là, toi. Bah alors, tu fuis. Hop là, il y a un autre de dégommer. Faut que je décolonise. Faut que j'achète une arme. Oh, y'a une personne, regardez. Ah, ça fait mal. Eh ouais, tu m'avais pas vu venir. Tu m'as pas vu venir, Coco. Eh ouais, tu m'as pas vu venir. Attendez, je recherche mes armes. Ils vont forcément revenir. Oh, regardez, il est là, il est là. Eh, faut bouger quand tu tires. Il va activer sa protection. Oh, je l'ai encore dégommé, mais non. Oh là là. Allez, on casse ça. Allez, on casse sa base. Lui, c'est vraiment la base qu'on farm. Ok, c'est bon. Je récupère l'argent, le magot. Le magot, la thune, les amis, la thune. Yes. Et voilà. Bon, après, je vais quand même partir. Je vais laisser jouer un peu, hein. Ok, non, mais c'est génial. C'est génial. Oh, ah oui, non, ça, c'est... D'accord, c'est de la pub pour ceux qui Robux. Alors, attention. Prochaine section de la base. Dans moins d'une minute. Alors, est-ce qu'on peut acheter une arme ou pas? Je crois pas. Hein. Ah ouais, non, le lance-pierre. Oh, le fusil à pompe. Je veux le fusil à pompe. Et c'est quoi les autres armes? Ah ouais, les autres armes, on a même pas le niveau. Waouh. Regardez. Le Galactic Glove. C'est clairement le gant de Thanos, hein. Oh, j'entends un truc qui brille. J'entends un truc qui brille. Ok, alors à mon avis, je pense que c'était l'arme que j'ai regardée. Alors, est-ce que... on peut voir qui va être choisi ou pas pour l'instant. J'ai pas l'impression. Ok, à mon avis, pour le moment, y'a personne. Ok, là, c'est les autres bonus, d'accord. Bon, ça, c'est pour les Robux. Et là, la même. Alors, attendez. Oh, lui, je vais le poutrer. Oh, attends, j'ai ma base qui est activée ou pas? Non, c'est bon, je suis en combat. Je suis en combat, ça va rentrer en combat automatiquement. Et en plus, on va. Oh, je le vois lui là-haut. J'arrive pas à le tirer dessus. J'y arrive pas. Il s'est planqué. Ah, attendez, c'est qui qu'on doit. Qui on doit poutrer? Ah, c'est la base là-bas. Ok, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a sous la grotte là? En fait, c'est juste un passage? Je crois que ouais. Ça va être un passage en fait. Wow. Sympa pour se planquer ici. Ah, ok. Alors attention. À la tête. Je l'ai déjà poutré lui tout à l'heure en plus, le pauvre. Regardez, il est déjà derrière sa base, je le vois. Allez, salut, ça va? Oh, je suis désolé, mais c'est juste parce que j'ai besoin d'acheter un fusil à pompe. Sinon, je te jure, je serais pas nu, hein. Ah, c'est bon, je dépoutrerai, vite. Vite. Oh oui, yes. C'est bon, je peux acheter le pompe. Bam, voilà. Alors, vous allez moins faire les malins, hein. C'est moi qui vous le dis.
Fais déjà peur le chasseur, tu sais. Oh, fais voir, on va tester l'arme. Je veux la tester. Et attention, du coup, les amis, ça va être tout simplement. Oh bah, c'est moi. Ah bah, ouais, c'est moi. Oh bah, c'est génial ça. Allez, je vous attends. Oula, on va éviter de tomber dans ce trou quand même parce que. Hein, faudrait que je rebouche, hein. Ouais, parce que là, ça c'est un peu dangereux. Attends, je vais mettre un petit truc. Regardez. Voilà, comme ça. Bon, c'est un peu mis vite fait, mais. Bon, ça fait office de rangement, tu sais. Ok, donc là, normalement, des gens peuvent venir m'attaquer tout simplement. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est pour. Ok, changer d'autres trucs. Oh, il y a même la couleur! Mais c'est génial! C'est génial. Oh, attends, je vois quelqu'un arriver là. Regardez. Il bouge pas. Bah, il y a quelqu'un qui lui tire dessus. J'aimerais bien tester mon pompe, moi. Ok, ils viennent pas. Ok, ils osent pas venir. Je vais me cacher. Comme ça, ils vont peut-être oser venir. Si je leur ouvre la porte, vous pensez qu'ils vont venir? Non, ils viendront pas. Ils viendront pas, tu sais, je leur ferme la porte au dernier moment, tu sais, pour les trolls. Ah, je pense qu'ils vont pas venir. Ah, attendez, je vais aller poutrer le mec là-bas sur l'île. Parce qu'il poutre tout le monde depuis tout à l'heure. Ah, et du coup, y'a personne qui tombe dans mes pièges. Tu vois, on va tester le pompe. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. What? Oh là là. Attends, lui rentre dans ma base, regardez, rentre dans ma base. Oh, y'en a plein, regardez, y'en a plein. Essaye de péter mes lasers. Ça pète mes lasers. Ça, ils s'y mettent à deux, regardez, ils s'y mettent à deux. Est-ce que la tourelle va être active ou pas? Attendez, je vais activer la porte. Ok, enfin, j'ouvre la porte et je la ferme. Voilà, c'est bon. Ils vont péter mes murs. Regardez, ils pètent mes murs, ils pètent mes murs. Je crois qu'ils ont pas vu. Ah, viens là. Allez, la tourelle, ça a quelque chose la tourelle. Ça a quelque chose la tourelle. Ah, il a vu ma tourelle. Ok, toi t'es mal. Oh, la tourelle. Oui. Oui, la tourelle. Oh, la tourelle. La tourelle. Oh. Oh. Oh, elle fait mal la tourelle. Elle fait mal. Oh, elle a poutré. Regardez, regardez la tourelle. Attention, regardez. Oh là là. Ah, tu t'y attendais pas, une tourelle, mon gars. Oh là là. Il sait pas quoi faire. Il est paniqué. Oh, il m'a eu. Oh, bien joué. Oh, il a pété la tourelle. Oh non. Il va récupérer mon argent. Non. Et non, je t'ai eu avant, voilà. Eh ouais. C'est fini. Oh, comment j'ai défendu ma base jusqu'au bout. Cette base imprenable. Ah ouais, toi t'as osé. Ah, t'as osé. Allez, viens là. Tiens. Tu vas venir. Je vais venir te chercher, tu vas voir. Ça sert tout drôle. Et à moi, je t'ai sauté directement dans ta base, tu vois. Allez. Attends, je vais prendre l'arme normale. Voilà, c'est bon. Yes. Et bah voilà. Tiens. Ça t'apprendra à attaquer ma base comme ça. Et bah voilà. Et bah les amis. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là du coup pour cette découverte de Buzz Riders. Oh, regardez, ça répare automatiquement la base quand le raid est fini. C'est génial. Ah, c'est pour ça qu'il avait toujours sa base réparée. Oh, mais c'est trop cool. Oh là là là. Bah écoutez, les amis, je vous invite déjà d'une à le tester par vous-même. Vous retrouverez le jeu, bien entendu, dans la description. Et comme d'habitude, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu pour cette base complètement imprenable, les amis. Elle est complètement imprenable. Regarde-moi ça, quoi. Oh là là, ils ne peuvent rien faire, hein. C'est. Oh, je vais les poutrer encore. Je vais le poutrer, regardez. Oh, je vois sa petite tête là. Ah non, il s'est planqué, ok. Mais bon, hein, comme quoi, vous avez vu, je les poutre assez loin, voilà. En tout cas, merci beaucoup, les amis. Comme je le disais, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour cette base complètement incroyable. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, bien entendu, à la chaîne. Ça fait toujours plaisir si vous abonnez, bien sûr, aussi également à la chaîne secondaire, bien entendu, qu'on n'oublie pas. Merci beaucoup, les amis, c'est vos jumpers. Et je vous dis du coup, à très bientôt. Ciao, les amis.